De l'histoire des niais au déni de justice. Voici le thème de la conférence qui nous a amenés à Nantes, qui s'est articulée sur l'histoire coloniale, racisme anti-noir, lutte panafricaine d'hier et d'aujourd'hui. On les appelle les béquets, c'est une petite communauté blanche, très puissante et très fermée. Nantes, premier port négrier français. 1714 expéditions ont été effectuées. Des Noirs, arrachés à leur famille, à leur terre, un nombre inestimable malgré les chiffres. On fait escale ici à Nantes, à destination des Antilles, pour servir de main-d'œuvre dans les plantations. Chacun dispose désormais des fruits de son travail. Tel est le serment du Mandel. À l'adresse des oreilles du monde entier. Les Caraïbes, comme on l'imagine, de l'eau bleue turquoise à 30 degrés, des paysages de rêve et de grandes villas, les pieds dans l'eau. C'est le bastion de la communauté béquée, un monde à part où les Blancs vivent entre eux. A été érigé un mémorial de l'abolition de l'esclavage. Une visite guidée, rapide, avec les explications de Peter Lema, spécialement pour vous. Il y a beaucoup qui apprécient le mémorial au niveau de sa forme architecturale qui représente presque les cales d'un bateau. Mais alors là, au niveau philosophique, c'est catastrophique. En fait, on est dans un bâtiment qui célèbre la France abolitionniste et on ne voit aucune syllabe, aucune trace d'un texte qui légitime l'esclavage. Pas de code noir. On ne leur demande pas de tout refaire. Hein. On n'est pas là pour remettre en cause certaines choses qui sont bien faites. On leur demande simplement d'inscrire le code noir ici. Ça veut dire qu'on aura la France abolitionniste s'ils veulent, mais on aura avant tout la France esclavagiste parce que la France a été avant tout esclavagiste, avant de devenir abolitionniste. Essentiel que le code noir y soit, parce que c'est la signature d'un document, c'est la signature d'un crime. Ça, c'est le premier article de la charte du Mandé. Mais alors là, regardez comment, c'est très subtil, c'est marqué charte du Mandé, une des plus anciennes déclarations des droits humains, réécrite par Youssouf Tata Cissé dans Sundiata, la gloire du Mali, en 1991. D'abord, c'est pas réécrite. Il a retranscrit quand il a rencontré Fadimba Kanté. Ça, c'est un. Deuxième chose, c'est que lorsqu'on marque 1991, en fait, les gens peuvent penser que c'est un poème. Il suffit de mentionner 1222 ici. Pour montrer que, en fait, bien avant les Lumières, bien avant les droits de l'homme ici, il y avait déjà cette grandeur. Donc, si ce mémorial avait comme nom le nom même de la journée du 10 mai, c'est journée des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions, la mémoire aurait été pleine. Voilà, ok. On parlerait même des résistances noires. C'est plutôt ma première fois sur le plan physique. Mais je pense que lorsque je mets mes pieds dans ces lieux, je ressens que mon âme est en train de souffrir. Parce que j'entends le cri profond de toutes ces femmes, de tous ces enfants, de tous ces hommes qui ont été enchaînés. Pour dire que mon âme y a été. Et s'est retrouvée en ces lieux, a été enchaînée, torturée. Et c'est parler des sentiments, ça serait très bizarre d'avoir et d'exprimer un sentiment par rapport à la violence et à la barbarie humaine dont l'odeur ensemble. Je pense que si vous avez le nez, un odorat digne d'une personne humaine, vous aurez à sentir qu'est-ce qui pue ici, quelle est la puanteur de l'odeur qui remonte ici. Et vous avez vu justement, je me suis arrêté ici, en face de moi, il y a l'âme véritable de l'Afrique qui s'exprime.
avec la charte de Sundiata Keïta, qui, d'une manière ou d'une autre, explicite la nature humaine vraie de la personne humaine sortie d'Afrique et sa vision du monde. Si on s'en tenait à ça, l'on voit que tout cet édifice n'est qu'une cruauté. Quel que soit le nom qu'on peut donner, aujourd'hui on peut philosopher, dire tout ce qu'on veut, quel que soit le nom, mais en un mot, c'est la cruauté et la barbarie qui respirent. Parce que si je m'inspire de ces chartes-là de Sundiata Keïta, si au moins quand ils sont arrivés en Afrique, ils avaient eu l'humilité de comprendre c'est quoi l'Afrique, ils auraient compris que l'humain était une valeur, si j'ose dire, une richesse inestimable pour non seulement l'Africain, mais pour le monde entier. Parce que Sundiata Keïta a vu ça avant et il n'a pas fallu attendre l'élaboration de la Charte des droits de l'homme ou même l'abolition, le bon cœur soi-disant de certains négriers. En fait, c'est d'imaginer que lorsqu'on arrive au mémorial de Nantes, on a 2000 plaques de bateaux négriers. Et ça, il s'agit des expéditions nantaises. Nantaise. Donc, bon, on ne peut pas dire que c'est 2000 taurons, quand même. Bon. Et puis, on peut estimer le nombre de personnes à l'intérieur de chaque bateau, pour voir l'ampleur du crime. Et là, on parle d'essentiellement de Nantes. Et on parle aussi des études qui ne sont pas faussées, mais en fait, il y a d'autres lectures aujourd'hui. Par exemple, Madame Diop a fait un travail considérable au niveau de la démographie, de voir comment est-ce que, quelle était la population africaine bien avant le cumul de détraite. Donc en fait, les points sur lesquels elle s'appuie n'ont rien à voir avec les points sur lesquels se sont appuyés certains historiens nantais et certains aussi historiens officiels. Et dans ce que ce crime a pu rapporter à cette ville, et qu'on voit que lorsqu'on ne pose pas le problème des réparations, eh bien, en fait, on est dans une situation où ceux qui ont commis le crime bénéficient et créent d'autres formes d'esclavage, en fait, d'autres formes de soumission, après, avec ce qu'on connaît aujourd'hui en Afrique. Tout commence en 1635. Des aristocrates français débarquent pour coloniser la Martinique, une île volcanique de 1000 km². Considérée comme une marchandise, les esclaves importés d'Afrique meurent à la tâche dans les plantations, les béquets prospèrent jusqu'à la Révolution. 1793, la terreur s'abat sur la France et ses colonies. Les nobles sont décapités, l'esclavage est aboli, sauf en Martinique. Protégés par la couronne d'Angleterre, les béquets martiniquais échappent à la guillotine. Les richesses t'ont appauvri. J'ai le cœur et la tête remplis de souvenirs. Après chaque passage au bled, je m'enrichis grâce à nos terres. Je me dois de vous le dire. Tout n'est pas si facile ici, mais les gens sont clean. J'en conclus que la vie n'est pas difficile. On se la complique, loin de tristesse et peur et des visages renfrognés. Aujourd'hui encore, les grandes familles béquées détiennent la majorité du foncier en Martinique. 52% des terres agricoles appartiennent à moins de 1% de la population. Des terres qui se transmettent de famille en famille depuis le XVIIe siècle. Pourtant, c'est grâce à l'économie esclavagiste que les familles béquées ont fait leur fortune. Après l'abolition en 1848, les anciens esclaves deviennent des salariés, mais les patrons béquets restent les maîtres de l'économie. Les planteurs béquets continuent à employer des esclaves. Au total, plus de 700 000 Africains ont été déportés dans les Antilles françaises. Un crime contre l'humanité reconnu par la loi en 2001, un crime qui n'est toujours pas admis par la communauté béquée. Les historiens exagèrent un petit peu le problème. Ils parlent surtout du mauvais côté de l'esclavage, mais il y a eu un bon côté aussi. C'est l'homme, je ne suis pas d'accord avec eux. C'est quoi les bons côtés de l'esclavage? Il y a des colons qui étaient très humains, allez, avec leur esclave, qui les a franchis, qui leur donnait des possibilités d'avoir un métier, des choses. Donc. Le fait qu'il n'y a pas eu réparation et qu'on en parle très peu, en fait. Je pense qu'il n'y a pas une forte pédagogie qui a été faite autour des réparations. Qu'est-ce que les gens disent en conclusion? Oui, il y a un groupe de gens qui demandent de la thune pour eux. En fait, les réparations, ce n'est pas ça. Les réparations, c'est un projet humaniste, en fait. On peut parler même d'un plan Marshall. En fait, c'est tout un changement du système. En fait, il est clair que s'il n'y a pas réparation,
nous allons avoir, je prends le cas des Antilles, toute personne descendante des criminels, c'est-à-dire que les béquets sont les descendants de ceux qui ont commis le crime. Et d'ailleurs, à Haïti, on a indemnisé les gens qui ont commis le crime et non ceux qui ont subi le crime. Ce qui fait que, décennie après décennie, ce sont les mêmes familles qui dominent. Donc, c'est-à-dire que tu n'es noir, ben, y a plus de chances que tu sois dans une certaine précarité ou que tu sois tout le temps sous une certaine domination. Et tu n'es blanc, parce que tu n'es béqué, ben, tu nais avec toutes les richesses, qui sont d'ailleurs des richesses suite au broyage des peuples. Donc voilà, c'est vers ça que moi je sens que rien que cet exemple nous permet de bien accentuer sur l'aspect des réparations. Qu'on le veuille ou pas, c'est que s'il n'y a pas réparation, les terres appartiendront aux gens qui ont commis, en fait, aux descendants de ceux qui ont commis le crime. Il ne s'agit pas de faire la chasse à l'homme. Parce qu'on peut dire que celui qui naît aujourd'hui, là, en fait, personne n'est né raciste, ni blanc, ni chinois, ni tel. Mais qu'est-ce qui fait que, année après année, décennie après décennie, certaines choses se reproduisent? Ben, c'est tout simplement parce que le problème de fond n'a pas été réglé, le problème des réparations n'a pas été posé. Et ce déni de justice commence plutôt par le déni même de leur responsabilité. C'est la seule chose qui manque. En plus, c'est de la fabrication de racisme ou de clivage entre les personnes en protégeant l'État. Pourquoi est-ce que je dis cela? S'il y a des plaques au début, avec les plaques, ce sont des noms de bateaux. Les noms de bateaux, il y avait des propriétaires. Les propriétaires avaient des descendants. Les descendants ont des adresses aujourd'hui. Je peux savoir où habite celui qui est le descendant de... voilà quoi. Il se passe quoi? Je vais aller le voir en disant, c'est ton grand-père qui a fait ça à mon grand-père. Et le responsable, là, il s'est protégé. Il s'est protégé parce qu'il a savamment omis de mettre sa signature. Il a savamment omis de mettre le code noir. Et c'est en cela que, philosophiquement, d'une part, mais politiquement et juridiquement, il est essentiel que le code noir y soit, parce que c'est la signature d'un document. C'est la signature d'un crime et il faut assumer ses actes. Le noir, c'est comme un enfant, il faut être juste, on en obtient ce qu'on veut. Vous êtes un béquet, qu'est-ce qu'un béquet? C'est ce qu'il y a de mieux. Les béquets, sont les descendants des blancs européens qui se sont reproduits en race pure dans les colonies. Donc, la charte du Mandé, c'est les droits de l'homme au XIIIe siècle en Afrique de l'Ouest. Toute vie est une vie, le chasseur déclare. Toute vie est une vie. La guerre ne détruira plus le village pour y prélever des esclaves. C'est-à-dire que nul ne placera désormais le mort dans la bouche de son semblable pour aller le vendre. Personne ne sera non plus battu, a fortiori, mis à mort parce qu'il est fils d'esclave. L'essence de l'esclavage est éteint ce jour. D'une frontière à l'autre du Mandé, la razzia est bannie à compter de ce jour au Mandé. Chacun dispose désormais de sa personne. Chacun est libre de ses actes. Chacun dispose désormais des fruits de son travail. Tel est le serment du Mandé à l'adresse des oreilles du monde. Africa.
J'ai entre mes mains les tambours de la Révolution. Vous savez, quand cet ouvrage a été écrit, on ne savait peut-être pas que Paul Larac avait parlé de ces tambours. De ces tambours de la Révolution et de ces tambours de la liberté. Et vous voyez là, c'est l'Haïti. Hein, c'est l'âme profonde. C'est le... Vous ressentez quand je parle de l'Haïti. Donc c'est nous. Quand je parle de l'Haïti, c'est nous. Et c'est ces tambours-là de la Révolution que je suis venu charger ici pour rendre au peuple africain et au peuple du monde, comme on le disait dans le tambour de la Révolution, c'est que nos aspirations profondes. Donc je préfère le lire en créole. Tambour Sila, Asedit non Chakan. Tambour Sila, c'est tambour Révolution, c'est tambour Liberté. Ça, c'est nous qui parlons. C'est le tambour de la Révolution, c'est le tambour de la Liberté. Et ces tambours-là, c'est pourquoi nous disons, quand nous parlons à notre peuple, que c'est ces tambours-là. Ça, c'est le socle de notre liberté. C'est le socle de cette révolution que l'on doit commencer pour remettre tout en place. Pour remettre tout et que cette barbarie, cette cruauté, je ne sais pas s'il faut parler d'une humanité ou si même il faut adjoindre l'épithète humain par rapport à ce qui se passe. Il faudrait vraiment que l'on réfléchisse quel est le terme adéquat à donner à ces genres de cruauté, à ces genres de barbarie. Je pense que les dictionnaires français et tous les dictionnaires du monde ne sont pas assez chargés pour expliciter ce qui s'est passé ici. Yo alo adu jam to Burundi, yo alo adu jam to Brazzaville, la wul mi jona he. C'est la douleur qui remonte, parce que on ressent, on voit. On voit, regarder tous ces noms. Les noms qui figurent ici, c'est les noms qu'ils ont voulu nous donner. Les chiffres qui sont donnés ici, c'est les chiffres qu'ils ont voulu donner. Lorsqu'il y a une manifestation d'un million de personnes, on dit il y a 300 000 personnes dans les rues. Lorsqu'on parle de 12 millions, imaginez. Imaginez. Et ces 12 millions, est-ce que c'est du début à la fin? C'est de 1300 à 2000. Il faut compter les déportations récentes qu'il y a. Est-ce que c'est... Voilà, c'est cruel. Et donc il y a au moins 400 historiens qui se sont associés à cette démarche. Et là, ce qu'on aimerait, honnêtement, c'est qu'on continue à marteler pour qu'il y ait justement cette inscription-là. Mettre physiquement des gens en esclavage, exploiter physiquement des gens, etc., c'est méchant, c'est pas bien. D'accord. L'âme du crime, c'est la déshumanisation appliquée à ces gens-là. Et la déshumanisation a été orchestrée, organisée et mise en place par l'Église. Chacun ses responsabilités. J'imagine que vous passez tous les jours ici, vous le voyez, ça vous dit quoi quand vous voyez chaque jour? Quand je le vois chaque jour, j'ai des frissons. J'avoue ne pas venir souvent, et quand je viens en sortir très rapidement, parce que j'ai très peur de m'énerver, je trouve que le nom est très bien choisi, mémorial de l'abolition. Pour dire une phrase générique qualifiant ce mémorial-là, je vais parler de combat noir et de héros blanc. Oui, le noir c'est comme un enfant, il faut être juste, on en obtient ce qu'on veut. Vous êtes un béquet, qu'est-ce qu'un béquet? C'est ce qu'il y a de mieux. Les béquets sont les descendants des blancs européens qui se sont reproduits en race pure. C'est un mémoire qui est fait pour glorifier les ancêtres des criminels qui ont, selon eux, donné comme des gentils monsieur ont donné une certaine abolition à des gens qui ne faisaient rien pour se sortir de cela, et qui ne doivent leur liberté qu'à la gentillesse de ces messieurs qu'on célèbre. En fait, c'est une insulte, c'est un crachat. C'est un crachat physique au visage de mes ancêtres. Point très. Vous servez maintenant de l'alcool aux travailleurs pauvres d'Afrique du Sud. Autrefois, ils étaient paysans. Mais l'homme blanc a pris leurs terres. Durant le jour, ils descendent dans la mine. Le soir venu, ils s'emportent contre un système qui les condamne à la pauvreté à cause de leur couleur de peau. The 1913 Land Act made it
Avec la loi agraire de 1913, les Noirs ne peuvent quasiment plus acquérir de terres. De vastes pans du territoire sont réservés aux Blancs. On a besoin des Noirs en ville comme main-d'œuvre. On n'est pas tenu de les loger, ni de leur verser un salaire décent. Les femmes lavent du linge, cuisinent ou brassent de la bière. Ces mémorials controversés, selon l'avis de la majorité des descendants d'esclaves, est une honte terrible en la mémoire de leurs ancêtres. Ces mémorials démontrent la France abolitionniste, mais l'absence patente et volontaire de l'inscription du Code noir montre le manque de courage de la France d'assumer son héritage historique d'une nation esclavagiste. Je vous propose la suite de notre séjour nantais, la conférence débat avec spécialistes divers. Mes remerciements à Soleil Pouloulou qui était à la réalisation et derrière la caméra. Restez connectés sur Bobisso et salutations à Prêtre Shrek Ndundu. À très bientôt.